En ce début de saison, les footballeurs de l'Olympique lyonnais ont abandonné Gerland et c'est sur la pelouse du stade Georges Livet à Villeurbanne que l'entraînement a repris sous la direction de Louis Hon. À une exception près, Perrin, prêté à l'Olympique lillois, Louis Hon disposera des vainqueurs de coupe qui tous ont renouvelé leur contrat. Kuffer, Lhomme, Rocco, Nouzaré et les deux piliers des Georges et Le Borne seront présents. La défense sera tout aussi solide que l'an dernier. Devant, Dinalo sera encore là. Le petit prince de Gerland a longtemps hésité avant de donner son accord, mais il formera avec son compère Rambert une aile gauche des plus redoutables. Au centre du terrain, on retrouvera les infatigables Chouine et Maison, déjà bien affûtés. Dans les buts, la révélation de la saison dernière, Zévulco. Par contre, l'équipe s'est renforcée avec la venue de trois nouveaux joueurs. Alors, André Guy, 26 ans. J'ai joué au FC Sochaux pendant 4 ans, à Saint-Étienne et puis à Lille dernièrement, puis je me retrouve à l'Olympique Lyonnais. J'ai été 5 fois international. Le CAC Mohamed, j'ai 30 ans, je joue ailier droit, je viens de passer 2 saisons au Football Club de Rouen. Floïc Yves, j'ai 24 ans, je viens de l'US du Mans où j'ai joué pendant 4 saisons, au poste d'arrière central et d'arrière latéral aussi. En 1961, j'ai joué dans l'équipe de France junior avec Fleury Dinalo de l'Olympique Lyonnais et j'ai été plusieurs fois sélectionné dans l'équipe de l'Ouest. Louis Hon, comment se présente cette saison? Bien, pour l'instant bien. Il y a du monde, il y a des effectifs renforcés par rapport à la saison passée. Donc s'il y a du monde, il y a de la concurrence et quand il y a concurrence, automatiquement il y a rendement meilleur. Quelles sont vos espérances cette saison? Oh, bien gagner le plus de matchs possible. Et sur le plan international? Ah ça, c'est notre saison, on va se baser surtout sur notre Coupe d'Europe. Et là, certainement, nous allons mettre tout le paquet sur la Coupe d'Europe. Et en championnat? Ah ben, en championnat, ça c'est un programme à longue échéance. On ne peut pas savoir si ça va être bon ou moins bon. Mais une compétition qui tient à cœur aux Lyonnais maintenant, c'est la Coupe de France aussi. Ah, la Coupe de France aussi. D'ailleurs, on va la défendre chèrement. Et l'équipe est... fera encore du mal dans ces tournois à élimination directe comme la Coupe d'Europe, l'OL sera encore très dangereux.